Bonjour, je suis en compagnie de Serge Dapra, le propriétaire de la pourvoirie du lac Suzy. Ouais. Moi, c'était ma deuxième visite ici. Je suis venu il y a 3 semaines en vacances familiales avec ma conjointe, mon fils, son ami. On a passé une semaine extraordinaire. Les jeunes ont trippé, on a fait des belles pêches. Là, on vient tourner une émission ici. La pêche au doré était très bonne, tellement qu'on s'est dit, ben là, on est ici. On va en profiter pour tourner une deuxième émission. On est allé pêcher le brochet, on a tourné une émission de brochet. Fait que vraiment, t'as un territoire giboyeux. Poissonneux. Poissonneux, on devrait dire, effectivement. Mais en fait, parenthèse, ils ont dit gibier, ils t'offrent de la chasse aussi. Oui, j'ai de la chasse à l'ours, chasse à l'orignal. OK. C'est tous des forfaits en plein européen, de la chasse à l'orignal, chasse à l'ours, plein européen ou plein américain selon le budget des gens. Là, puis, OK, OK. Donc, on ferme la parenthèse. Il y a de la chasse aussi ici. En premier, localisation géographique, Serge. Vous êtes situé où? Bon, écoute, on est dans la merveilleuse région de l'Abitibi, OK, qui est très méconnue des pêcheurs. Moi, je suis à Abitibi sud-est, 32 km à l'ouest de Clova. Si on veut, les gens connaissent beaucoup Clova. OK. 6h30 de Montréal, 6h30 de Québec, 3h30 de Val-d'Or, c'est à peu près les distances. Il y a 4 chemins d'accès pour entrer à la pourvoirie. Fait que si le feu est pris dans la région de Parent, des feux de forêt, il y a d'autres chemins pour rentrer chez nous. Et il y a aussi le train qui, des fois, est très, très... Très intéressant. Tu longes tout le Saint-Maurice, la région que tu connais. Là. Ben oui, fait que c'est toute beauté. C'est de toute beauté, ouais. Effectivement. On dit toujours que tous les chemins mènent à Rome, mais dans ce coin-ci, tous les chemins mènent à la pourvoirie du lac Suzy. Sur place, tu loues des chalets. Ouais, est-ce qu'il y a un nombre de jours minimum pour les gens qui veulent venir ici? Oui, c'est 3 jours minimum. De toute façon, écoute, dû à la distance, les gens viennent pour un minimum de 3 jours. Moi, je suggère plus un 4-5 jours parce que des fois, avec la mauvaise température, le poisson n'est pas toujours... tu sais comment ça se passe, hein? Donc, j'essaye de... Tu sais, j'ai des forfaits 5 jours, 7 jours. J'ai des forfaits famille durant l'été. Okay. Et c'est un minimum de 3 jours. OK. Puis avec le chalet, qu'est-ce qui est inclus? Bien, tout est inclus pour faire la cuisine, si tu veux. Oui, là. Oui, oui. Des chaudrons, des ustensiles. Ce que les gens ont apporté, c'est leur literie, leurs effets personnels, là, puis leur bouffe. OK. Si je ne me trompe pas, ça inclut l'embarcation aussi. Oui, hein, dans tous mes forfaits, l'embarcation est inclue. Okay. Ce qui est en surplus, c'est les moteurs. Oui. Les gens, s'ils ont des moteurs, ils peuvent les apporter. Sinon, bien, j'en loue directement sur place. Là. OK, OK. Puis moi, ce qui m'a frappé au niveau de la navigation, j'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs plans d'eau. J'ai pas trouvé que c'était des plans d'eau qui étaient dangereux pour la navigation. Non, effectivement. Effectivement, si je me compare à des grands lacs, là, on va parler du Gouin, entre autres, là, où des fois, il y a des vents, tu n'es pas capable de sortir. Moi, chez nous, c'est jamais arrivé. Là. Je veux dire, il faut qu'ils ventent pas mal pour ne pas sortir. Des fois, sur le Suzy ou sur le Chenevert, les vents, si le vent est du nord puis que c'est des vents de 30-40 km/h, ça va brasser un peu. Mais si les gens sont ici, sur le Suzy, ben j'ai toujours des plans B, des petits lacs cachés là, qui leur permettent de faire des sorties de pêche quand même. Effectivement, moi, j'ai pêché un lac à 4 km d'ici. Ouais. On a fait une belle pêche. Fait qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Là. Non. Ça se passe toujours près. Ouais. Par curiosité, ton territoire ici, tu as combien de lacs environ? Écoute, sur le bail comme tel, il dit 105 lacs. OK? Mais il parle de 105 lacs, tu vas prendre le Suzy ici, c'est une chaîne de 4 lacs. OK. OK? J'ai plusieurs lacs comme ça, des chaînes de lacs. Mettons, j'en ai peut-être une trentaine là, que j'opère. Là. Et il y en a quelques-uns qu'on n'a jamais mis une ligne à l'eau dessus. Ah oui. Un jour, il faudrait. Oui, ça, je serais partant pour remonter. Mais c'est une expédition. Ah oui, oui, oui. Des fois, il faut travailler fort. Mais tu sais, c'est tout le thrill de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le lac, le genre de pêche qu'on va faire. Parlant de genre de pêche, dans tes 30 lacs, disons ça comme ça, tu as un lac qui est vraiment exceptionnel. Oui, c'est mon petit bébé. Oui, le lac Chenevert. Ouais. J'ai eu la chance de le pêcher pendant mes vacances. Puis là, on l'a pêché ensemble. Ouais. C'est assurément dans le top 5 de qualité de pêche que j'ai vu sur un lac adoré. Puis Dieu sait que j'en ai pêché partout dans la province. Et lors du tournage, t'as pas... En plus, c'est pas à mon goût. On a pris 6 dorés au-dessus de la limite. Puis Serge me dit, ouais, c'était tough aujourd'hui. C'était tough. Ça veut dire que d'habitude, c'est encore meilleur que ça. Mais quand t'es venu avec ta famille, ça a été plus que ça. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu un Daniel Robitaille faire... Ah oui, des fois, tu vois arriver à taille du doré. Fait que ce lac-là, si je comprends bien, il est offert avec service de guide. Guidé seulement, pour deux raisons. Premièrement,
Tu connais l'importance d'une bonne remise à l'eau. Si je veux protéger mes géniteurs, mes gros poissons, bien, c'est moi qui fais les remises à l'eau ou c'est Francis qui guide qui fait les remises à l'eau. Et l'autre raison aussi, c'est un lac qui est un petit peu dangereux. Tu as vu qu'il y avait beaucoup de roches, des hauts fonds. Puis, C'est le seul que j'ai trouvé peut-être sur ton territoire. Tu sais, qu'effectivement, là, il y a des écueils, il y a des roches qui, à des endroits des fois, tu ne t'attendrais pas. Mais là, ça devient sécuritaire parce que les gens sont accompagnés de toi ou d'un guide. Puis ils peuvent vivre une pêche. En tout cas, la pêche reste la pêche. Mais il y a possibilité de passer une journée de rêve sur ce lac-là. C'est rare, dans des sorties de pêche, c'est rare qu'on n'attrape pas un ou deux gros. OK. Écoute, depuis que je l'opère, c'est arrivé une fois la semaine passée que je n'ai pas attrapé de gros dorés. Ça a été la seule fois. Généralement, même si la pêche est difficile parce que ça va arriver, que les températures ne sont pas bonnes, on vient toujours à bout d'en sortir un ou deux gros. Ah oui, moi, je vous dis aux gens, si vous venez ici, je vous conseille fortement d'aller au moins une journée sur ce lac-là, le lac Chênevert. Il faut vivre ça. Le lac est splendide. Hein? C'est un super bel environnement. Il y a deux, trois belles plages de sable. Oui, exact. C'est ça. Ouais. C'est beau au coup d'œil. Puis surtout, quand on commence à pêcher, on se rend compte que... c'est pas mal beau. Les gens qui ont le goût de venir, qui ont le goût de réserver ou qui ont le goût d'avoir des informations, tu es sur Facebook. Oui. Ils peuvent te contacter via Facebook. Personnellement, Serge Dapra, ou sinon La Pourvoirie du Lac-Suzy, une page Facebook. Ils peuvent m'envoyer un message en privé là-dessus. Sinon, via le site web à www.pourvoirie-de-lac-suzy.com, section contact. Ils peuvent me rejoindre par là, m'envoyer un email, puis c'est pas long qu'on répond puis on prend soin des gens. Bien, parfait, génial. Merci beaucoup pour tout, Serge. Bien, merci de ton accueil. Ça m'a fait plaisir, ça a été super plaisant. Une belle sortie pêche qu'on a faite ensemble. Si on aurait le droit, là, on serrait la main, mais il paraît qu'il faut garder une distanciation pour ne pas faire ça. Ouais. Un endroit à découvrir, donc, la pourvoirie du Lac-Suzy.